Wop wop wop, ne quitte pas la vidéo, je te prends une petite minute avant qu'elle commence, on y va, j'ai un truc à te montrer. Du nouveau concours qui vient de sortir sur mon Instagram les amis, vous pouvez tout simplement remporter des t-shirts personnalisés les amis. Alors c'est la nouvelle collection, je ne la vends pas encore, je sais même pas si je vais vous la vendre les amis, si je vais vous faire des petits prix, une petite collection ou quoi. Mais juste pour vous dire, je vous fais gagner des t-shirts personnalisés. Alors je vous ai sorti toutes les couleurs, vraiment ça fait plaisir, c'est grâce à mon partenaire les amis. Tout est sur Instagram, vous pouvez personnaliser l'intégralité, choisir la couleur, la taille. Franchement, faites-vous plaisir les amis. Vous avez vu que je vous ai sorti quoi? Les petits gants pour la dernière fois. Le concours c'est terminé. Je vais vous dire en commentaire qui a gagné tout simplement. Donc je prends, je scroll et j'en prends un. Donc voilà, si jamais vous voulez participer, je vous mets le lien de mon Instagram. Il y a aussi du rouge, tout ce que vous voulez, du orange. Franchement c'est joli, c'est sympa, super quali. Alors vous la voyez juste ici, c'est directement sur ma page Instagram. Voilà, vous l'avez juste ici, Léo-du-bas-BGL. Je dis ça, je dis rien, mais si t'as envie d'y ajouter ton petit TikTok en personnalisation, ton petit Instagram, je vous fais plaisir les amis, allez participer au concours et vous me le mettez en commentaire. Je vous ai mis la publication, on se retrouve en commentaire, n'hésite pas à t'abonner et à liker cette vidéo si tu veux voir plus de vidéos en MT07. Et je vous souhaite les amis à tous une bonne vidéo et une bonne année parce que c'est la dernière vidéo de 2023. Salut les mecs, ciao! Salut les amis, c'est Léo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui les mecs, là, ça me fait plaisir de revenir ici. Pourquoi je suis revenu ici précisément les amis? J'ai tout simplement fait beaucoup d'intros de mes vidéos ici au bord de ce parc. Et donc c'était pour moi naturel de vous faire l'intro pour le démarrage des nouveaux... Oh non, ma jante! Ah non, ça va, c'est dégueulasse. Une nouvelle vidéo, du coup nouvelle intro avec la nouvelle moto, la MT7 les amis, regardez. Il fait un froid de canard, on est en décembre, mais je me suis dit aujourd'hui on va sortir la 07. Je vous l'ai présenté, vous avez kiffé, je suis content des retours, malgré que la couleur soit très connue, que beaucoup de personnes l'ont. Bah voilà, ça fait quand même la diff, ça fait plaisir, surtout qu'on va lui faire pas mal de modifications ensemble. Donc voilà, les amis, je vous propose directement de partir en moto, vous allez voir ce qu'on va faire aujourd'hui. Petit moto vlog, on a à la carte d'aller chercher un déguisement pour la balade des Père Noël que je vais faire avec la moto, parce que bien sûr, motard, Père Noël, tu connais la balade. En tout cas les amis, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, on y va, petit démarrage à côté de la ligne pour que vous entendiez tout ça. Et franchement les amis, 5000 pouces bleus, on envoie un nouveau motovlog, c'est parti. Oh là là, regardez avec ce petit phare LED là devant. Oh, moi je la trouve trop jolie. Temps de chauffe toujours respecté, on est parti pour le premier motovlog avec cette moto, on y va. Regardez juste l'arrière, je le trouve super joli. En 3 quarts comme ça, oh là là, avec les clignotants, tout ça, elle est bodybuildée. Bon, 60 degrés, faut y aller doucement, donc tranquille. Les amis, je vous prends encore une petite minute pour vous parler du sponsor de cette vidéo, les amis, qui est autre que Car Vertical. Les amis, Car Vertical, ça vous permet de faire quoi? On voit ça ensemble, c'est parti. Alors, vous commencez à les connaître, mais Car Vertical, ça vous permet de vérifier votre véhicule, que ça soit une moto ou une voiture directement, grâce au numéro de châssis de cette dernière. Je te mets l'exemple juste ici avec une Golf GTI. Regarde ce que tu peux éviter d'acheter une épave. Donc, t'as un dossier photo sur le véhicule quand il y en a un qui est présent, et tu auras tout simplement des informations pour savoir si le kilométrage a été falsifié, si le véhicule a été volé. Donc là, pour le kilométrage, je te mets l'exemple juste ici avec la courbe kilométrique, c'est un truc de fou. Tu vois tout le détail, donc franchement ça fait plaisir quand t'achètes un véhicule de vérifier qu'il n'y a pas eu d'anomalie. Là tu vois, il y avait une petite ristourne, le kilométrage il a baissé d'un coup cash. Des fois c'est des petites erreurs, mais franchement faites attention quand vous achetez un véhicule. N'hésitez pas, vous avez moins 20% avec mon code Léonat, je vous mets tous les liens en description. Ça vous permet aussi de voir le véhicule, s'il a été importé, de quel pays il arrive tout simplement. Donc si jamais, vous pouvez demander au vendeur des précisions. Je remercie Car Vertical les amis qui m'accompagnent durant toute l'année sur la chaîne YouTube. Voilà, c'est grâce à eux qu'on fait beaucoup de projets. Du coup pour les remercier les amis, passez dans le petit lien en commentaire. Voilà, n'hésitez pas, je vous mets en description, vous avez moins 20% et franchement pour le coup, ça vaut le coup de vérifier avant d'acheter ou même de vendre son véhicule pour le futur acheteur. Allez, on retourne à la vidéo, c'est parti. Les MT7 neuves avec le point mort, c'est toujours une chose très compliquée. Les amis, n'hésitez vraiment pas à vous abonner à la chaîne. On est bientôt 200 000 les amis. Ça ferait trop plaisir d'y arriver incessamment sous peu. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Ça me ferait trop plaisir d'avoir 200 000 le plus rapidement possible. J'espère que le point de vue de la GoPro il est bon parce que je vois pas du tout où est-ce qu'elle est. Ah non mais attends, il y a un problème. J'arrive plus du tout à passer mes vitesses. Non mais ça c'est l'habitude de la 50 les amis, vous inquiétez pas. Regardez, les gens se retournent. Ça fait vraiment un bruit de ouf. Ah, y en kiffe papy. Est-ce qu'il va falloir commencer à flouter le compteur dès le début de la vidéo? J'espère pas. Hein. Les amis, ça me fait trop plaisir de vous reprendre avec la GoPro pour des vidéos moto. Oh, depuis le temps que je voulais en faire. Mais là, il fait pas beau du tout. Du coup, je suis dégoûté. J'ai mis les gants hiver, frérot. Quand même, faut pas déconner. Fait pas super chaud, donc on s'équipe comme on peut, poignée chauffante. Est-ce qu'on se mettrait pas un petit peu de poignée chauffante? Allez, on se les met en mode tout doux, parce que sinon après, je vous dis, hein, ceux qui ont des poignées chauffantes, oh,
sur n'importe quelle moto. Je pense un peu comme les sièges chauffants, c'est toujours un truc de fou, ça te chauffe, mais à trop, t'es beaucoup trop chauffé. Et donc après ça te brûle tes mains, et c'est pas agréable en fait. Mais moi je kiffe quand même hein. Tu les mets en petit mode intermédiaire. Oh là là, les retours de la ligne. Et du coup en petit mode intermédiaire elle est super. On va faire attention quand même, parce que maintenant qu'on est avec le gros cube là à 0,7, c'est plus comme si on sortait avec la derby. Maintenant il y a un permis, faut faire attention. Il y a du bruit, même si elle est chicanée, vous l'entendez. C'est des retours de folie qu'elle nous fait. Franchement la ligne c'est une tuerie. Pour ceux qui hésitent à mettre une ligne sur leur moto, n'hésitez vraiment pas. C'est une dinguerie. Vraiment, mettre une ligne sur votre moto, ça change tout. La moto, elle a un caractère rock. Vous êtes plus à l'aise sur la route dès qu'il y a du bruit. Non, franchement, c'est le kiff. Bon, après, faites attention quand même, les amis. On rappelle, la moto, c'est pas du ping-pong. Je sais pas ce que je raconte, frérot. Oh là, le démon. Je te jure, je vais devoir mettre un autocollant, là. C'est ça qui relou. Moi, je veux que vous soyez immersif avec moi. Oh, le kiff, là. Je veux la même chose pour Noël. Tu vois, les animaux, on sait pas comment ils réagissent aux motos, faut faire attention. Même quand vous passez à côté, les amis, je vous dis ça, mais véridique, hein. Quand vous passez à côté d'un bébé ou quoi, un jeune bébé, des jeunes parents et tout, évitez de faire les cliquer parce que je vous jure, des fois, il y en a, ils prennent grave mal. Vous êtes là, vous roulez tranquille, vous passez devant leur bébé et là, vra. Et franchement, en vrai, je peux comprendre. Je peux comprendre qu'ils prennent mal. Parce qu'en vrai, c'est un peu relou quand même. Écoutez ce bruit. Oh, allez, on est on fire là. Bon, la petite flèche, s'il te plaît. S'il te plaît, la petite flèche. Oh là là, mais attends, mais ça fait longtemps que j'ai pas roulé avec la moto. Je vais avoir une conduite, frérot. Non, faut que j'arrête. Non, les amis, faut que j'arrête. En tout cas, dites-moi si ça vous fait plaisir de revoir des vidéos en moto, les amis. On va pouvoir faire plein de sujets. Ceux vraiment qui ont des idées avec la 07. Si vous voulez voir un petit peu combien ça coûte, entretien, si c'est galère ou pas, pour le permis, si vous avez des questions, mettez tout en commentaire. On fera des vidéos bien détaillées. Ah, par contre, j'avoue qu'aujourd'hui, j'ai pas sorti la meilleure dégaine. Hein. J'ai pas sorti l'équipement. J'ai le gilet protection en dessous, mais sinon, tu vois, j'ai rien d'autre. Allez, allez frérot. Voilà. Du calme, tranquillou. Vraiment, avantage d'avoir la moto. Vous passez partout. Attends, c'est chiant les points morts. Elle m'en faisait pas autant avant. Attends, mais ça, tu tournes, tu t'en prends un dans le casque. Tu sais, ça te fait une vieille rayure sur le casque que t'as payé full carbone à crédit. Bon, ça va, là, elle est chaude. On va pouvoir déjà un petit peu commencer à accélérer. À tartiner doucement, à tatiner la poignée. Bon sinon les mecs, est-ce que ça roule? Est-ce que vous êtes les motards du dimanche ou les motards de tous les jours? Merci frérot, c'est gentil de ta part. Simer Albert. Fais attention parce que des fois il y en a, tu vois, ils se décalent mais en fait ils t'ont pas vu. Ils sont juste sur le téléphone frérot, ils sont en train de taper un petit message. Ils t'ont pas vu, c'est au dernier moment où ils te voient. Putain les poignées chauffantes les amis, comment? Ouais, le ressenti là c'est un grill. Ça vous baisse un petit peu. Tranquillement. Ah ouais, mais quand moi j'arrive au feu comme ça, j'ai trop envie de faire un départ aussi. Ça va, je suis pas en pole position. Allez, allez, je pose pas le pied, je pose pas le pied. J'étais obligé. Bah c'est pas de ma faute les mecs, j'étais obligé, je vous jure j'étais obligé. Elle m'a provoqué, elle a dit 3, 2, 1, go, on est parti. Bon sinon un temps grisâtre, je vous fais pas la météo. Ah si, attendez, j'ai la température. Attends, dirais pas, on est en vol d'avion là. Alors, il fait actuellement 11 degrés. Ouais, 11 degrés décembre, c'est pas fou hein. C'est pas fou. Putain, toujours ce tic de vérifier les poches. Même 150, je le faisais tout le temps. Là, d'autant plus en moto, si le téléphone il tombe à 80, je pense qu'il est un peu mort. Tu veux refaire une relance dynamique en MT7? Oh, elle m'avait manqué. Oh mais regardez, écoutez, je sais pas si vous entendez les retours à la caméra, c'est une dinguerie. Vraiment c'est une dinguerie. Oh ouais la vite là-bas comment elle est cassée. En tout cas ça fait du bien de ressortir la moto. Tu vois il me fallait un temps sec comme ça ou sur le sol. C'est pas trop dangereux, il fait pas trop froid parce que sinon c'est horrible. Oh, tu roules, une journée t'es malade. Bon là du coup l'objectif c'est trouver une décoration de Père Noël les amis, j'espère qu'on va trouver. Normalement j'ai eu des petites pistes pour en trouver. Donc on va voir directement au magasin. J'espère le payer pas trop cher parce que vas-y, c'est Noël, tu connais, faut faire les cadeaux. T'as plus trop d'oseille en décembre, enfin je sais pas vous mais... Le compte frérot, il est au plus bas. Putain, c'est trop une moto de ville. C'est trop une moto de kéké, c'est trop une moto, t'as envie de rouler comme un gogol. Ah ouais, faut les faire kiffer là. Faut les faire kiffer les petits. Petit clignotant toujours, respecter la signalité.
Putain, le truc c'est que ça lève à tout rapport celle-là. T'accélères trop, bah pour ceux qui ont une 0,7, vous savez que c'est plutôt pas mal. Dans mes petits rétroviseurs, pareil, je m'y fais, je m'y habitue. Hop, faut poser le pied, hein. L'examen, n'oubliez pas de poser le pied, il manquerait plus que ça. Bon, sinon les amis, comme c'est Noël, thème de Noël, qu'est-ce que vous allez demander au Père Noël? Moi je vous réserve des belles surprises quand même. Mais je vous sortirai ça, genre quelques jours avant Noël, on se fait un petit concours une semaine, gratuit, que du kiff, pour vous remercier de me suivre et d'être revenu après la vente de la 50, parce qu'en vrai, j'avais quand même peur de perdre toute cette communauté, mais après on évolue tous ensemble. On commence tous par un petit scooter, après une petite 50, après on se prend un gros cube. Moi j'ai directement eu la chance de le prendre 9 en concession, du coup c'était trop bien. Mais je sais que ça fait kiffer du monde et que la MT7, y a beaucoup de monde qui aimerait en avoir une. Donc si je peux me permettre de vous faire kiffer un petit peu avec les vidéos, ça me fait trop plaisir. Eh, c'est la première fois que je sors la moto que j'ai le plein. On voit que c'est l'hivernage en mode, tu sais, tu mets le plein, tu la mets dans ton garage, tu touches plus, tu mets la batterie, tu la charges, parce que sinon une 0,7, t'es n'importe quelle moto en vrai, mais je pense plus des YAM. Oh, les batteries, c'est un truc de fou. Si tu fais pas gaffe, bah t'es bon à la changer tous les ans. Allez mamie, parce que là moi j'ai la visière du casque. De la buée en 2 secondes. Vous avez une technique pour enlever la buée là? Dès que je respire, j'ai masse buée, c'est horrible. En ville, tu peux trop te faire piéger. Ils vont dire ouais, ta moto elle fait trop de bruit, des chicanés. Mais t'es entre les maisons, ça résonne, c'est normal. Wow. J'ai oublié que j'avais une moto, en fait, je peux doubler. Putain, je m'attendais à ce qu'il fasse plus froid que ça. Je vous promets qu'il fait bien chaud. Hein. Je me suis dit décembre, il va faire froid, 11 degrés. Même les poignées chauffantes, carrément, je me permets de les enlever. Attends, mais ils sont en mode quoi là? Voilà, c'est bon. Oh, c'est une dinguerie. Oh, le bruit, je m'en lasse pas. Oh là là, puis les retours. Mais quelle moto de kéké! Comment vous voulez pas que les gens kiffent la 07? C'est trop bien, tu roules vraiment comme un gogol. Bon, est-ce qu'on se mettrait pas le petit costume du Père Noël pour rentrer? Je vous jure, à tout moment on le monte. Qu'est-ce qu'on est bien assis dessus. C'est vrai que les suspensions, tu ressens un peu la route, mais après, dès que tu commences à accélérer un petit peu, t'oublies qu'il n'y a plus de suspension, tu vois. Oh là, mais c'est trop une moto pour faire le con. Je vous promets. Là, avec ça, c'est sûr que t'attires plus les contrôles, hein. Oh, aïe, aïe. Oh, il y a un petit tunnel là-bas, on va pouvoir se faire un doux plaisir. On va entendre le bruit. La résonance dans le tunnel, ça va être une dinguerie. On va leur casser les oreilles, par contre, à prendre un peu de distance. Mais la sonorité de la ligne, alors j'imagine même pas déchicaner, hein. Déchicaner, le bordel que ça doit être. Bien sûr qu'on va la déchicaner, attends, faut bien essayer. Après, si je vois que tu vois, t'as trop mal à la tête, ça sert à rien. Pur sound. Oh punaise, mais attends, j'imagine même pas des retours là-dedans. Déjà le bruit que ça fait quand tu passes comme ça. Avec des retours, ça doit faire un bruit. Oh, j'espère que vous entendez pas trop le vent quand je roule avec la visière ouverte. Mais je suis obligé, j'ai trop chaud et à chaque fois que je parle, il y a de la buée. Oh, c'est dingue, et les retours qu'elle fait. Alors, on va commencer par où? Je pense que centre accord, on m'a dit t'y vas, il y a du Père Noël. Alors attends, on va aller se mettre là-bas, tu connais. Fais attention, le parking c'est traître. Putain, il est tout dégueulasse leur parking. Alors, on va se mettre là. Hop, regarde, tranquillement elle va nous attendre. Sagement ici, voilà. Oh là là. Regardez les mecs, franchement, si elle a pas une petite gueule comme ça, je la verrais bien, une petite déco de Noël, sympathique. Bon, on va aller chercher ce qu'on veut, et puis je vous retrouve juste après, espérons la voir. Bon les mecs, ça a duré 1 minute à l'intérieur. Je l'ai vu en premier. Et elle m'a dit quoi? La caissière, vraiment une bosse. Regardez les amis ce que j'ai trouvé. Costume du Père Noël, full. Alors là, on a quoi? Taille unique, bonnet, veste, barbe, pantalon, ceinture. Non mais attends, pour le prix, c'est grave rentable. Bon après, ça se voit que ça va pas tenir dans le temps. Mais en tout cas, ça fait le taf de ouf. Regardez ce que j'ai trouvé. Franchement, impeccable. Et là, je vais avoir une belle dégaine avec ça. Elle a pas eu le temps de refroidir. Donc on va pas attendre qu'elle rechauffe. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Oh, la ligne qui commence à bluire. Tout à l'avant de la ligne, c'est une dinguerie. Franchement, j'adore. Bon, en tout cas, je suis content, j'ai trouvé dès le premier magasin. Attends, ça, quelle rentabilité de ouf. Attends, mais elle est où la sortie? Non, mais quand je vous ai dit que je me perdais tout le temps, mais moi, je sors par là-bas de base. Bon, je vais faire confiance à mon instinct. Je vais faire confiance à mon instinct. Moi, de base, je sors par là-bas. Excusez-moi, mamie, papy. Moi, je passe. Alors, attends. C'est quoi ça? C'est un rond-point. Oh non mais les parkings, ouais je vais sortir où là? Ah là-bas c'est bon. Et je me suis dit je vais jamais ressortir. Oh là là. Putain, elle chauffe pas mal hein, malgré le temps qu'il fait là. 80 degrés, franchement il fait pas froid. Hein. Oh, ça fait du bien. Toute la semaine il pleut, il fait du brouillard, tu peux pas rouler. Là le week-end, hop. Il fait pas non plus soleil, tu vois, mais après faut pas trop en demander. Franchement les mecs, vous pouvez pas dire. Le bruit, les retours, tout.
toute fait aimer la moto. Oh mais déchicaner comment ça va être un bordel. Le démon dans la ligne d'échappement, je vous promets hein. Là tu prends un fusil, c'est comme si elle tirait au fusil direct. Déchicaner comment, j'imagine même pas. Bon allez, il me fait quoi là? Qu'est-ce qu'elle fait? Wow, il y en a, ils ont du mal hein. Ouais. Mais encore, tu ne vas pas oublier ton stop toi quand même. Bon en tout cas ça me fait plaisir hein, de vous ressortir des petites vidéos en moto là. Ça fait longtemps que je voulais, j'en ai pas mal en stock déjà. Mais où il n'y avait pas les rétroviseurs, il n'y avait pas la petite customisation. Donc c'est pas le même résultat tu vois. Je crois qu'on est tombé sur une championne du stop frérot. Je crois que j'ai le temps d'aller faire une pause, de changer de moto, de mettre le plein et de revenir. Je comprends pas les mecs, ceux qui décorent leur maison à l'extérieur. Vous êtes bien d'accord? Le soir vous rentrez chez vous, ok vous voyez votre, votre déclaration j'allais dire, votre décoration. Mais une fois que vous êtes rentré chez vous, vous voyez plus rien, on est d'accord. Donc pourquoi ça sert de l'éclairer toute la nuit, toute la journée? Ceux qui décorent et je sais pas, vous avez une cour, vous voyez tout le temps votre décoration, ouais. Après me dites pas que vous voulez faire plaisir aux gens. Hein. Mais c'est ça que je comprends pas. C'est que ceux qui éclairent à mort à l'extérieur, j'espère qu'ils éclairent aussi pour eux-mêmes à l'intérieur, tu vois. Parce que sinon, à quoi ça sert? Oui, vite. Ah j'étais obligé, elle m'a saoulé avec son stop là. Oh là, 100p. C'est une 100p ça? Non. Si, non. Ouah, ça ressemble trop à une sans permis. Putain, ça a aucune dégaine. Hein. Bon, je suis désolé, toi aussi, je vais devoir te mettre un petit boulevard. Ah, c'est le Père Noël, il doit vite livrer les cadeaux, vous connaissez, hein. C'est important de livrer dans les temps. Waouh. Ah ouais, j'avoue que les suspensions, par contre, les amortos, ah, ils te laissent rien passer, ils sont intransigeants. Ils veulent te montrer qu'ils sont inexistants. Bon, en tout cas, les amis, dites-moi pour ceux qui ont pris des motos, les amis, pourquoi vous avez choisi votre moto et c'est quoi votre modèle? Et pour ceux qui sont à Noël, bien sûr, c'est certain qu'il y en a qui vont avoir des motos sous le sapin. J'ai jamais eu ça. Mais qu'est-ce que ça doit être la dinguerie? Par contre, pour les parents, je sais pas comment vous faites pour cacher une moto sous le sapin. Alors, soit tu lui offres la moto de ça en miniature et en mode faut qu'il cogite dans sa tête pour comprendre, frérot, que tu lui as acheté en real life. Attendez, parce que là. Alors, attendez. Vous avez laissé. Hop. Ça sera moins pratique sur le toit. Ah, je te jure, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais comment ils ont fait pour tenir? Ah, mais en plus, c'est des. Ah, c'est des néerlandais. C'est pour ça qu'elle a pas compris. Elle a dû se dire, mais qu'est-ce qu'il veut m'embrouiller? Elle était mignonne, hein, la néerlandaise. Oh, je te jure, frère, elle a laissé les gâteaux. Mais ça me fume. Frérot, elle a laissé les gâteaux sur le toit. Non, mais en tout cas, j'étais obligé. Ah, j'étais obligé. Elle laisse son bébé sur le toit. Oh, ça fait plaisir. Oh, mais la 2, ça me fait pas plaisir. Ça leur montra que les Français, on est gentils. Moi, j'arrive là, ma dégaine de braqueur fou, frérot. Mais regardez ma dégaine dans la vitrine. Casque full black, tenue Yamaha, Reebok. Oh, j'ai une dégaine de braqueur. J'aurais dû lui donner ses gâteaux en Père Noël, ça aurait été plus drôle. Attends, en vrai j'aurais dû prendre un gâteau quand même, elle aurait dû m'en donner un, non? Attends, ils sont trop bons ceux-là, la petite gaufrette là. Eh, oh hey, ceux qui ont la rêve de ces petits gâteaux-là, on est d'accord, c'est trop bon. Dites-moi que je suis pas le seul à aimer quand même. Bonne action du jour, c'est fait, on peut aller se coucher. Ah, ça me fume, frérot, j'aurais dû les prendre, les mettre dans ma poche. La conduite accompagnée dans la Mégane. Allez, allez frérot. Petit coup de gaz, tu vois. Très courtois le petit coup de gaz, en mode vas-y, bouge, bouge. Oh, il veut faire un départ là. Eh hey les amis, comment je kiffe en ce moment regarder les vidéos de bâtiments, les vidéos de travaux, tout ça. Et hey, c'est dingue, les rénovations, comment je commence à kiffer ça. Eh hey, à tout moment je revends la MT, vous me voyez, j'achète une mini pelle. Pourquoi? Je sais pas, j'ai rien à faire avec une mini pelle, mais je sais pas, on a toujours besoin, non? On se ferait pas un petit terrain de cross? Ah non, c'est vrai que je vous ai pas encore présenté la nouvelle moto, j'avais complètement zappé. Et hey, y en a, vous allez casser votre tête quand je vais vous montrer ce que j'ai acheté les amis. Mais je devais vous faire plaisir avec deux motos, tu vois. Bon après vous le savez, c'était pas caché dans la dernière vidéo. Pour ceux qui ont bien regardé dans les commentaires, ouais, il y a une deuxième moto sous bâche. Mais les mecs, c'est pas ma moto, croyez pas. Hein. Non, c'est une moto qui était là comme ça. C'est un mec qui a spawn, il a mis sa moto sous une bâche, exactement la même que moi, mais totalement par hasard. Oh, ça par contre, c'est trop ma cam. Oh, les Range Rover comme ça, les Discovery, je trouve ça trop joli. Ou même les SVR. Oh, bon, après là, je parlais de Range, je parle de SVR, tu vois, niveau tarif. Mais un beau SVR full black, c'est la mafia. Mais c'est trop joli, moi j'adore. Bon sinon les amis, sortez équipés, ne sortez pas comme ma dégaine de jeune brigand. Je vous ai juste fait un petit aller-retour parce que j'avais ça à aller chercher. Je me suis dit j'ai profité du temps, on va leur faire plaisir, on va aller chercher le petit déguisement du Père Noël.
Bon, en tout cas les amis, j'espère que cette petite sortie vous a plu. Moi elle m'a fait grave du bien. Quand t'as pas pu rouler toute la semaine, que t'étais en voiture, t'étais frustré d'avoir ta petite voiture là qui avance pas, tu prends la bécane. Tu prends la bécane. Si vous kiffez les amis, vous me le dites en commentaire. Et on essaye de s'en ressortir une au plus vite. Même si là il fait pas, tu vois, des plus chaudes températures. Là tu vois 11 degrés comme ça, c'est agréable, ça se fait facile. On peut faire la petite balade des Pères Noël sous ce temps là, tranquillement. Alors attends, elle fait quoi la 100P là? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Ah oui, ah, il y en a, le code de la route, il est là, là, coup de coude. Wow, c'est quoi la taille du pneu? Oh. En vrai, c'est plutôt joli, mais je pense que ça doit te faire des vibrations au trou de balle, ça. Je te laisse même pas imaginer. I'm just fucking lit, man, I'm just fucking lit. Drink a bottle of this shit, man, bottle of this shit. I'm about to write a hit.